Dans le pays de bonne maman, il est vieil comme le firmament. Une tradition pleine d'exigences qui veut que les flics affreux mortels ne brillent jamais par leur intelligence. Faut d'ailleurs s'empresser de noter, cette tradition est respectée de la façon la plus docile, puisque sur 26 argousins, on ne compte pas moins de 26 imbéciles. Sitôt qu'un type a exhibé formellement par A plus B qu'il ne possédait d'aucune malice, sans faire chichi ni tralala, on vous le fait vite entrer dans la police. Mais foin du pauvre individu qui par erreur bien entendu veut à la loi se rendre utile, sans être complètement abruti, tous les efforts qu'il fait sont inutiles. Certes, il arrive bien quelquefois que les recruteurs faillis, ma foi, se laissent prendre à une bêtise feinte, mais cela arrive si rarement qu'il n'y a pas lieu d'en faire vraiment des plaintes. Du reste, au bout de quelques temps, de contact étroit et constant avec la gente policière, l'abrutissement du feinteur est parvenu à la hauteur régulière. S'il y a, mes amis, parmi vous un garçon incapable de tout, peut-être par beau ministre ou bien suisse, qu'il aille dans le pays de mes aïeux, on en fera un inspecteur de police.